civil et tout autre type d'assurance. Groupama, 22 rue du Menet à Colliné. Louis-Nové, elle participe largement à la réussite de cette épreuve. Et on retrouve d'abord avec un chrono de 2.06.278. Ça sera sa meilleure prestation pour cet après-midi d'essai chronométré. Pour l'heure, on retrouve fan de cette catégorie, de ce groupe F. Eh bien, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, signer la pétition qui circule un petit peu partout sur la piste et qui vous permettra d'apporter votre soutien à l'association. Assister à un dépassement, chose rare sur 23. C'est sa meilleure performance de l'après-midi. Là, on retrouve une Porsche 911 dans une configuration de l'I7 cette fois. Piloté par Brian Smart. Fiche là de renseignement lui dit merci Laurent pour la voiture. Eh bien, Rémi Just a réalisé donc un temps de 2.06.278. Victor Swann, le numéro 127, 2.22. Ce temps s'améliore hein, par rapport au premier passage. On observe une progression des chronos. C'est d'ailleurs assez logique et légitime. David Williams réalise un temps de 2.565. Quant à David Strange, autre pilote porschiste, il a réalisé à l'instant un chrono de 1.49.348. Porsche toujours, version plus moderne, puisque Robert Gelancaster et sa voiture personnelle. Allez, on enchaîne avec l'avant-sprint de Mike Langenscher. Donc juste reprendre quelques instants sans en faire trop non plus pour parler avenir du groupe F. Voilà, 5 à faire. Et vous parlez de quoi pendant l'air pas de famille? De lui. Merci Ludo. Et pendant ce temps-là. Essayez de répondre favorablement, chers amis spectateurs, aux sympathiques sollicitations du grand écheveux que vous allez voir passer dans quelques instants auprès de vous sur Ludo Noué. Route du concurrent précédent, Howard Parkinson, qui est autour maintenant de la Nicolée, qui vient juste de paraître. Ça va être autour maintenant de Steve Elliott les derniers équipes. Rappelons également que la course de côte est avant tout un sprint et que la meilleure preuve en est que demain l'obtention d'un temps de 2.00.267, alors que là c'est le tournoi en 6 fois qui passe demain.